Let's go! Ok, let's go! Bonjour à tous! Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo coup de cœur. Je vais vous présenter tous mes livres préférés. Alors, il y en a évidemment que j'aime moins que d'autres, donc je vais préciser quels sont mes livres vraiment que je sauverais s'il y avait un incendie. Je ne vais pas les citer dans l'ordre puisque c'était un peu chiant vu qu'il y a des poches, des grands formats, des trucs comme ça. Donc voilà, il n'y aura pas d'ordre défini, mais vous inquiétez pas, je vais quand même vous préciser les livres qui valent le coup. Il y aura beaucoup de livres connus évidemment puisque, bon, les réseaux sociaux ça influence vachement. Hein, voilà. Alors, avant de commencer cette vidéo, je suis désolée s'il y a beaucoup de bruit. Mes voisins font des travaux, donc un petit peu compliqué de filmer quand ils font des travaux toute la journée. Donc vous risquerez de les entendre dans cette vidéo comme dans mes prochaines vidéos. Je pense que ça va durer assez longtemps, donc voilà. Et aussi, j'aimerais vous remercier pour les 300 abonnés. Alors, je n'ai pas eu l'occasion de le faire dans ma dernière vidéo puisque je ne les avais pas encore passées. Je ne pensais pas les passer aussi vite. Vous êtes trop rapides, merci beaucoup. Donc voilà, je le fais dans cette vidéo. Je vous aime beaucoup. Merci de regarder toutes mes vidéos. Vous ne les regardez peut-être pas toutes, mais merci de regarder mes vidéos, de vous être abonné et tout ça. On commence. Donc, premier livre, évidemment, du Colleen Hoover, puisque si vous suivez un petit peu mes vidéos, vous savez que c'est une auteure que j'affectionne tout particulièrement. Enfin, j'aime ce qu'elle écrit en tout cas, je la connais pas dans sa vie, mais voilà. Donc, Too Late, livre très très intéressant, puisque du coup dans ce livre on suit, j'ai une très mauvaise mémoire donc désolée, je suis très nulle en résumé, on suit Sloane et Asa, enfin on va suivre aussi Carter, mais en gros Sloane et Asa sont en couple, c'est un couple pas très cool, hein, franchement relation toxique, donc voilà, et en gros Carter va un petit peu sortir Sloane de cette situation, franchement. Il y a grave des rebondissements, je trouve ça hyper bien comme livre, vraiment on ne s'ennuie pas. Pourtant il fait 300 pages, pas du tout, il fait 500 pages, on pourrait se dire oula c'est beaucoup, bah franchement non, ça passe super vite, je l'ai lu super vite, voilà, j'ai dû le lire en 3-4 jours, donc voilà. On passe à mon livre préféré de tous les temps, November 9, je ne cesserai de le répéter. Donc dans ce livre on suit Fallon et Ben qui se rencontrent un 9 novembre pardon, et qui décident de se revoir chaque 9 novembre durant 5 années. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire à propos de ce livre. Hyper intéressant. Alors je comprends que certains n'aiment pas ce livre. C'est vrai que Ben, bon, c'est pas le mec le plus irréprochable. Il y a certainement beaucoup de défauts. Mais je parle du livre, pas de Ben, parce que Ben a beaucoup de défauts, ça c'est sûr, mais le livre a certainement beaucoup de défauts, mais je trouve justement que ces défauts font la beauté du livre. Enfin, c'est surtout le plot twist, quoi, qui m'a... ça m'a arraché des larmes. J'ai pleuré pour ce livre. Je vais vous préciser d'ailleurs les livres pour lesquels j'ai pleuré, comme ça, ça vous donnera peut-être envie de les lire. Moi, j'adore pleurer pour les livres, donc peut-être que vous êtes dans le même cas que moi. Lui, vraiment, coup de cœur, plus, j'ai pleuré comme une madeleine. Donc voilà, je vous le conseille. Je sais pas pourquoi je suis aussi rapide dans cette vidéo par contre. Ensuite, on a 1000 baisers pour un garçon. Celui-là, c'est le dernier livre que j'ai lu. Et j'ai pleuré comme une madeleine encore une fois. Livre hyper touchant, qui est très court par contre. Il fait 276 pages. Non, même pas. 74 pages. Donc hyper rapide, mais c'est une histoire tellement touchante. C'est trop mignon. J'ai adoré. Alors, c'est très jeunesse quand même, mais ça ne m'a pas dérangé pour autant. J'avais besoin d'une lecture doudou, donc si vous voulez une lecture doudou, je vous le conseille. Donc, dans ce livre, on suit Poppy et Rune, je ne sais pas comment on dit son nom à lui, donc voilà, qui sont amoureux depuis qu'ils sont très très jeunes. Je ne sais plus quel âge, à peu près 6 ans, un truc comme ça, je ne me rappelle plus. Et en fait, à leurs 15 ans, il y a... comment il s'appelle, Rune, qui déménage en Norvège et pendant 2 ans, du coup, ils ne se parlent plus. Voilà. Ils n'ont plus de contact et il revient, du coup, 2 années plus tard quand ils ont 17 ans.
Et là, on va savoir pourquoi il ne se parle plus. Enfin, c'est plus Poppy qui a arrêté de lui parler, mais... Et du coup, voilà. J'ai pleuré, mais... Ouah, le soleil, il a décidé de partir d'un coup. J'aurais peut-être dû mettre ma ring light. Bon, c'est pas grave. Du coup, voilà. Voilà pour ce livre. Ensuite, on va passer au brochet. Alors là, on en a pas mal. Donc, on a déjà mon... Je dirais troisième livre préféré, c'est le premier livre qui est devenu mon livre préféré. Je sais pas si c'est très clair, mais en gros, ça a été mon livre préféré pendant un an, et puis après, il a été détrôné par un autre que je vais vous présenter dans cette vidéo. Mais du coup, c'est Volontaire. Je dis pas les noms des auteurs depuis tout à l'heure. Ah, mince. Du coup, c'est de Sam Hawksmoor. Je sais pas si je le prononce bien. Alors... Je suis dégoûtée, le deuxième tome n'est pas sorti en français. Et je suis pas très douée en anglais, il faut te l'avouer. Donc, je ne lirai probablement jamais la suite alors que ça se finit très mal. J'avoue, c'est un petit spoil de dire que ça se finit mal, mais c'est pas grave. Ce livre, incroyable, je ne l'ai vu nulle part. Je sais pas si quelqu'un l'a déjà lu autre que moi. Je plaisante. Mais franchement, on le voit nulle part, donc... Pourquoi pas le montrer et peut-être faire lire ce livre à des gens. Donc dans ce livre, on suit Jenny et Ryan. Pourquoi je donne des accents comme ça, des noms, je ne sais pas. Qui sont amoureux, voilà. Ça commence dès le début, en fait ils sont déjà amoureux quand on les suit. Je sais que ça a dérangé beaucoup de personnes. Moi j'ai adoré en fait, flemme qu'on passe 10 ans sur des amoureux, puisque c'est une science-fiction. Donc le but c'est pas... la romance. Donc on les suit et en gros il se passe un truc bizarre, c'est-à-dire que dans leur ville il y a des disparitions. Et donc nos deux protagonistes vont chercher qui est à l'origine de ces disparitions. Voilà, je sais pas si c'est très bien résumé, mais je vous ai prévenu, je ne sais pas résumer les livres. Un livre encore de 500 pages, mais 500 pages qui passent selon moi très très vite, et j'ai pleuré aussi. Alors c'est super bizarre de pleurer pour un livre comme ça, mais j'ai pleuré, voilà. C'est le premier livre pour lequel j'ai pleuré, donc voilà, je vous le conseille. Ensuite, par contre je sais pas où remettre le livre après parce que ça va faire une pile et on me verra plus. Ensuite on a 13 Reasons Why de Jay Asher, bon livre très connu, je vous ai prévenu aussi, hein, il y a beaucoup de livres connus, mais ça sert à rien que je vous fasse un résumé, je pense que tout le monde connaît au moins la série. Donc j'ai adoré ce livre, je n'ai pas pleuré par contre, même si c'était quand même assez triste. J'ai pas encore regardé la série, mais de ce qu'on m'a dit, la série est en tout cas encore pire que le livre, vraiment c'est très 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 triste. Même des gens qui ne pleurent jamais devant les films et séries ont pleuré devant. Donc j'ai pas trop hâte de la regarder en fait, parce que j'ai pas envie d'être détruite. Je me détruis déjà assez avec les livres, donc on va se calmer. Putain, à chaque fois je suis obligée de mettre mes cheveux derrière parce que j'ai peur que ça vous fasse des petits bruits dans le micro. Donc bon, désolée si je fais comme ça depuis tout à l'heure. Bref, voilà pour ce livre, c'est à peu près tout. Ensuite, on a, alors là, c'est une duologie. Ça devait être une trilogie, je sais pas si ça sera un jour une trilogie. J'ai entendu dire que ça ne le sera jamais, donc vraiment, je suis dévastée. Livre que j'ai adoré encore une fois, c'est un peu le but de cette vidéo. Donc on a le premier tome, Killing November, et le deuxième, Hunting November. Donc évidemment, je vais vous... qu'est-ce que je voulais dire? Je vais vous faire un résumé que du premier, je vais pas vous spoiler le deuxième. Et du coup dans le premier on va suivre November qui est une... Pourquoi qui est une? Qu'est-ce que j'allais dire là? Non, en gros on va suivre November qui se retrouve, qui se réveille plutôt dans dans une école un peu bizarre, dans un pensionnat. Et en fait c'est son père qui l'a envoyé là-bas contre son gré, voilà, super. Et en fait c'est une école un peu particulière puisqu'il y a des cours assez étranges, on doit se méfier de tout le monde, il y a des clans, il y a tout ça, on fait des lancers de couteaux. Incroyable comme livre, vraiment j'ai adoré. Et le deuxième tome aussi incroyable, même si... je sais pas si c'est un spoil.
Non, c'est pas trop un spoil. Dans ce deuxième tome, on va les suivre. Enfin, on va les suivre. On va suivre November en dehors du pensionnat. Parce que c'est vrai que là, ça tourne assez en rond, vu que c'est le pensionnat. Mais c'était quand même super. Il y a quand même pas mal d'action. J'adore. Donc voilà, je ne peux que vous les recommander, ces deux-là. Voilà. Ensuite, on va passer au dernier, mon livre, mon... Je dirais mon deuxième livre préféré. En fait, mon top 3, c'est November 9, celui-ci, donc Tous nos jours parfaits, et Volontaire. Voilà. Donc, celui-ci, j'ai pleuré encore une fois comme une madeleine. Je pleure pas beaucoup pour les livres, puisque bah, là, je vous ai présenté tous les livres pour lesquels j'ai pleuré, ce qui fait 4 livres, c'est tout. Donc voilà, j'ai vraiment pas pleuré beaucoup pour des livres. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner des titres de livres pour lesquels vous avez pleuré. Ça m'intéresse, j'adore pleurer pendant mes lectures. Donc, Tous nos jours parfaits, celui-là hyper connu également. Donc dans celui-ci, on suit Violette et Finch qui se rapprochent à un moment pas très cool de leur vie puisque Violette a perdu sa sœur. Et Finch est dans un état mental pas très cool. Vraiment, il a une santé mentale vraiment mauvaise. Et oh là là, comment vous dire à quel point c'est touchant. La santé mentale, déjà, je trouve ça hyper intéressant. Donc, forcément, ce livre m'a beaucoup touchée, en fait. Le fait que ce soit ça qui les rapproche, mais incroyable, une pépite. Je sais que la fin peut être un petit peu prévisible. Je l'ai prédit. Ouais, je l'ai vu venir, je dirais, vers les 3/4 du livre. Mais j'ai quand même pleuré comme une madeleine. Même si je m'attendais à ce qui se passe ça, j'ai quand même pleuré. Donc voilà. Je sais que c'est des livres que je vous présente qui sont assez hypés, on peut se dire. Selon moi, oui, vu que c'est mes livres préférés, mais peut-être pas pour vous, en fait. Mais voilà. En tout cas, j'ai adoré ces livres-là. C'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de lire ces livres. N'hésitez pas à me dire s'ils font partie aussi de vos livres préférés ou si, au contraire, vous les avez pas du tout aimés. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous !